sécurité sous ton armure ? Bien sûr, bien sûr. Rien ne pouvait la briser. Et alors, les avions ont fait demi-tour. Et quand je me suis relevé, je me suis dit que j'étais mort et que j'étais en enfer. Ils ont fait sauter la montagne. Ils nous ont enterrés, nous et leurs propres hommes. Oh, Seigneur, Matteo. Je te fais le trouver. Alors, j'ai foncé dans cet enfer. Je n'avais pas d'autre choix. Je devais trouver Matteo, mais il aurait pu être n'importe où. Alors j'ai commencé par la première chose sur laquelle je suis tombé. Des alliés étaient coincés dans des chalets. Je devais les aider. On les a entendus avant de les voir. Des véhicules blindés qui venaient du fort ennemi. Mais tu n'avais plus ton équipement? Les ennemis avaient laissé des caisses d'armes dans les chalets. On s'est servi dedans et on s'est préparé. Thank you.
seule volonté de fer nous a permis de détruire leurs blindés. Maintenant que les chalets étaient tirés d'affaire, je devais continuer. Au fait, tu ne m'as pas dit, est-ce que Matteo était dans ces chalets ? Non. Les hommes m'ont dit que son unité avait avancé. Seul parmi les fantômes. Au bout d'un moment, je ne pouvais même plus regarder les corps. Il était forcément arrivé au fort. J'avais deux possibilités pour entrer dans le fort. Je pouvais soit passer par les tunnels souterrains, soit faire le tour pour rentrer par derrière. Pas par l'avant ? Je n'avais plus mon armure. C'était impossible.
J'ignore comment, mais je savais que Matteo n'était pas là. Je pense toujours à cet endroit. Chaque jour. J'avais presque renoncé à chercher, avec l'espoir que Matteo s'était échappé. Et puis... Non ! Non ! Il n'a plus d'anniversaire. Et moi, je suis toujours là. Qui décide de tout ça? One cumpleaños, Matteo.